bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur le jeu Spider-Man 1 sorti en 2018. Donc justement, il est sorti en 2018. Il y en a sûrement, ils vont me dire, mais frérot, on connaît déjà le jeu, on a déjà vu du gameplay, on s'en tape. Alors déjà, je vous emmerde, mais c'est pour cette raison que je vais vous expliquer pourquoi je partage du gameplay sur ce jeu, tout simplement. À l'époque où le jeu est sorti que je l'ai fait, j'avais tout simplement pas de chaîne YouTube. Mais c'est pas pour ça que je fais en gameplay sur YouTube Spider-Man 1. C'est surtout parce que dans pas très longtemps, il y aura le petit Spider-Man 2 qui va sortir et du coup je ferai un gameplay sur ce jeu. Donc là c'est plutôt un rappel scénaristique pour que je me remémore tout le scénario avec les méchants, etc. Donc juste après Spider-Man 1, je ferai Miles Morales. Donc le but, ça va vraiment être de tracer l'histoire principale. Vraiment pas s'acharner, c'est vraiment un rappel scénaristique, ok? Donc on va tout simplement lancer ça. Donc là on a les parties que j'avais fait précédemment. Vous voyez, ça fait depuis 2018 que j'ai pas joué, on est quand même 5 ans après. Donc le premier, j'avais fini à 100% avec le DLC, et là c'était le New Game Plus, nouvelle partie plus, qu'on devait terminer en difficulté max, donc chose que j'avais déjà faite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement lancer une nouvelle partie plus, encore une fois, pour que ce soit plus rapide à faire. Donc je pense que je vais faire quelques épisodes, hein. Je vais essayer de faire un montage plutôt court, pour que ce soit plutôt agréable à regarder. Je ne vais pas vous partager les heures et les heures de gameplay. Vous connaissez déjà le jeu autant que moi. Le but, c'est vraiment de partager le scénario. Donc, écoutez, normalement, je vais quand même baisser la difficulté, hein, parce que ultime, on va se détendre. Je l'ai déjà fait une fois, ça m'a suffi. On va mettre en incroyable, parce que je suis incroyable. Non, allez, ta gueule. Donc, on va mettre en moyen, incroyable. Et on est parti, tout simplement. C'est parti. Eh ben non, c'est parti. Allez, alors je me rappelle plus de tout le scénario, c'est pour ça que j'avais besoin de faire un petit rappel. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis maintenant, je fais le jeu sur PS5, à savoir que avant j'avais fait sur PS4, évidemment. D'ailleurs, il y a peut-être des graphismes, qui ont changé pour vous. Parce qu'il y a la possibilité de remasteriser Spider-Man 1, la version PS5, si on rajoute 10€. J'hésitais à le faire pour vous, pour les images. Et je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Bon, sur internet, j'ai été voir et au final, c'est pas si flagrant que ça. Le jeu est quand même déjà très beau de base. Donc peut-être que je le ferai plus tard, mais là, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand intérêt. En tout cas, très pressé d'être ce 20 octobre aussi pour ce fameux Spider-Man 2 où nous verrons le petit Venom, que normalement nous verrons à la toute fin de ce premier jeu, justement. À toutes les unités, mobilisation de niveau 4, emplacement tour Fisk. Fisk ? Je crois que par rapport au graphisme PS4 et PS5, la tête du Spider-Man, c'est pas du tout la même. Je sais plus c'est quoi exactement. Je pense qu'il est quand même pas prêt de vieillir ce jeu, hein, parce qu'il est quand même très très beau à voir. J'espère qu'on va faire un petit rappel de touche parce que vu que j'ai lancé une nouvelle partie plus, on peut peut-être partir du principe où je connais déjà le jeu, mais je m'en rappelle plus trop. Si c'est bon. Ok. C'est vrai que c'est vraiment assez fluide, hein, niveau déplacement dans les airs par rapport au tout premier Spider-Man. C'est quoi qu'ils veulent faire ? Aïe. Est-ce que vous l'avez arrêté? Non, on est à la tour Fisk, mais on n'a pas le mandat. Ça vous dérange si je joue avec vous? Vous connaissez ces avocats. On doit faire ça dans les règles. Allez, Yuri, ça fait 8 ans que j'attends ça. Vous voulez m'aider? Allez à Times Square. On dirait que ces hommes essaient d'empêcher les renforts d'arriver sur place. À droite. Ok, c'est comme si c'était fait.
Ça c'est bien ça. Ah oui putain. Faut que je me rappelle des touches aussi. Je pense que je ferai un petit rappel dans les prochains épisodes. Mettre pause à un moment donné. Allô ? Peter ? Où es-tu ? Nous devons répéter la démonstration au moins une fois avant l'arrivée du comité de subvention. Oui, pardon. Je règle un problème personnel. J'arrive tout de suite, promis. Et l'hélico derrière moi. Je vais me dépêcher pour être à l'heure à mon vrai job. On a besoin de renforts. 10-32, Times Square, officier prêt pour cible. Sortez le poids lourd. Coucou. Salut les gars. Qui veut une tasse de café bien frappée? Look. Qu'est-ce qu'il me veut là? Allez. Alors je vous préviens, j'ai la pêche aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un esprit de combo. Mais c'est vrai que j'ai des toiles à faire. Bam! Spider-Man, où en êtes-vous? C'est presque fini. Et vous? On est sur le point d'entrée. Me dépêche! J'ai hâte de voir la tête de Willy quand je passerai les menottes. Allez, petite pause, voir. Non, c'est là. Ah oui, c'est vrai, il y avait toute la map là qu'on devait voir. Tenue. Ah, tenue, je peux... Ah, il y a toutes les tenues, du coup, je peux faire ce que je veux. Après, moi, j'aimais bien mettre la Avengers à l'époque, vu qu'Infinity War, ça a été sorti la même année. Ah bon, il y a un truc de 4 fantastiques. Je m'en rappelle plus. Vous avez appris laquelle, vous, en commentaire? Soit celle-là... Allez, une petite 2099, tiens. Ok Yori, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Cette beauté. Yori? Yori! On peut pas courir dans... Ah si, voilà, il me semble bien. On peut courir sur les murs. Je savais que Fisk se laissera pas faire. Alors... Et verrouiller l'espace aérien. Yori, tout va bien? S'il arrive à sortir du bâtiment, on va le perdre. Du coup, je vais Ouais, allez-y. Yes! C'est le grand jour, Willy! Allez! Faites gaffe! Hé, où tu vas comme ça? Et on y va. Su. Qu'est-ce qu'il m'explique? Désolé de vous le dire, mais vous contrôlez rien du tout. Oh la dinguerie. Merde. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Oh, c'est génial. Je crois que c'était le dernier. C'est bon? Allez, allez! Ils ont bloqué les ascenseurs! Par les escaliers! Je préfère une approche plus directe. Spider-Man.
Spider-Man, au rapport. Je suis en train de monter, en priant pour que personne ne prenne l'ascenseur. Nos hélicos ont tiré. Je suis trop con. Fisk semble avoir posté des hommes armés à tous les étages. Il a peur. Et on peut dire qu'il ne lésine pas sur les moyens. Je dois le trouver et l'arrêter. Pas encore. On vient de capter un message. Ils sont en train de vider leur serveur. Il nous faut ses preuves si on veut le faire tomber pour de bon. Ok, cap sur les serveurs. C'est Tante May. Tante May. Il faut mieux que je réponde. Salut Tante May. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Hostile à l'état supérieur. Je regarde un film de super-héros. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'assurer qu'on dîne toujours ensemble demain soir. Bien sûr. Écoute, je peux te laisser. D'accord. Je t'embrasse. Moi aussi. Perf. Normalement, il y aura les flics qui seront corrompus. Si je passe par là, ils détruiront toutes les preuves. Ce serait mieux de chercher un accès discret. Et voilà. Je rentre pour bonne conduite. Fisk est peut-être un sale criminel, mais sa ventilation est hyper propre. Ils peuvent pas aller plus vite que la machine. Ils sont trop mignons quand ils se doutent de rien. C'est le service technique? J'ai oublié mon mot de passe. Bim. Déjà. Il faut que j'accède à cette console avant que tout soit perdu. Après ça c'est simple parce que je suis en nouvelle partie plus mais. Oh, vous avez oublié d'installer le dernier patch. Se cacher dans la salle des serveurs, c'est lâche, même pour toi. Hey, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu es toujours un gamin naïf. Hein? Mais c'est ce qui fait mon charme, non? Oh, tiens. Enfoncez-moi cette porte, vite! T'as le seum? Éliminez-le! Détruisez tout! Regarde autour de toi! C'est mon œuvre! Ouais, c'est pour... L'électricité. ok. Aïe. Yuri, une explosion a... J'ai vu. Fisk a pu piéger tout le bâtiment. J'envoie une unité de déminage. Je fais en sorte qu'ils aient le champ libre. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Quel con. Des petits drones. T'es fondu des gars. On y va. Voilà. Salut les gars. Les bombes font partie du plan de Fisk pour fuir. Ils doivent être coincés. Occupez-vous d'eux. Nous, on se charge des bombes. Faut sauver les gens. Au secours! Tout le monde dehors! Évacuez le bâtiment! J'ai entendu d'autres personnes par là. Je les trouverai. On est coincé, on peut pas bouger. Je vais les soulever. Dès que possible, foncez. Si vous le pouvez, aidez les blessés. Compris? Les biceps. Ah bah super ça. Non, très stylé le costume par contre. Bouge pas, Oli. J'arrive. On essaie. Attention! Ça suffit comme ça. Encore des roquettes? Ça fait pas un peu beaucoup? Wesh. J'espère qu'ils vont bien. Coucou. Vous allez bien? On était sur le point d'appeler des renforts. Eh ben, je suis là. Passez devant. On sera juste derrière vous. Attention, chef. Alors, vous fricotiez avec Fisk depuis le début? Ah, j'ai l'image dans la tête. Ilos? Ah déjà. Aisé. Hey,
On dirait que certains de vos hommes bossaient pour Fisk. La bonne nouvelle, c'est que c'était le dernier rempart de Willy. Je suis devant son bureau. Arrêtez-le. Maintenant. Avec plaisir. Allez. Merde. Hello. Il chill. Vraiment, même les méchants, ils sont bien faits. Il y a tout qui est bien fait dans le jeu. On écrit ses mémoires ? Oublie surtout pas le tirer entre Spider très et Man. Très peu de points négatifs. Préparez l'hélicoptère. Ça, j'en espère autant pour Spider-Man 2. Je suis surpris que t'aies pu venir jusqu'ici. Mais tes pitreries s'arrêtent là. T'es conscient que je te vois toujours, là ? 8 années de cette insolence. Hello. C'est pour moi ? Fallait pas ? Moi, je suis mort. Je dois compter pour moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, déjà ? Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Esquive ! Comment c'est possible ? Eh ben Willy, t'as pas l'air content ? Je vais t'aplatir ! Essaie toujours ! Ah. Et il y a une ouverture. Je vais l'ouvrir en... Oula. En fait, tu spams les trucs et c'est bon. Wesh. Tu représentes tout ce que cette ville a de pire. Cheaté. J'allais dire la même chose de toi. Vous savez quoi faire. Allez, encerclez-le. Aïe. M'en fous, je vais sur lui, je m'en balèque. Focus, focus, focus. Je crois qu'en plus que si tu le focuses que lui, ben les ennemis en fait ils servent à rien. Et là on va faire petite technique de cheat, bombe de toile, propulsation contre les murs, fin du débat. Aïe. Alors, c'est là qu'on s'embrasse ? Plus tard. N'empêche, en guise d'intro, ils ont fait fort. Même pour l'intro de Miles Morales, c'est vraiment pas mal. Alors tu vas enfin voir Riker. C'est drôle, je crois que t'as plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter ? Bon, faut que je file. Hé, bonne chance Willy. Je crois que tu vas en avoir besoin. Crétin, c'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville. Tu verras. Dans un mois, tu vas me supplier de revenir. Non. Le Kingpin va aller en prison. C'est la fin d'une époque. Faudrait fêter ça. Ou peut-être prendre des vacances. Carré. Peter, où es-tu? Le comité va arriver. Nous devrons encore vérifier le matériel. Je suis tout prêt. À quelques rues. Je me débrouillerai sans toi. Non, c'est trop dangereux. Et on y est. Toc. Pardon, je suis en retard, je me... Wow. Mmh.
Vous avez déjà commencé ? La direction du comité de subvention sera bientôt là. T'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement, je crois pouvoir m'en sortir. Le filtreur électrique ! Eh ben non. C'est pas vrai ! On devrait peut-être arrêter ! Pas encore. Tenez bon ! Docteur Octavius, est-ce que ça va ? C'est pas encore ça. Mais on progresse. Vous êtes blessé ? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif. Je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Est-ce qu'on pourrait aller en discuter autre part ? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais... On en reparlera plus tard. C'était une catastrophe. Pourquoi le filtreur a pas marché ? Le doc m'a dit de prendre ma journée, mais... Je veux comprendre ce qui s'est passé. Oh... T'es pas en grande forme, toi. Voyons d'où vient le problème. Il y a un petit côté casse-tête aussi, il me semble. Ah, voilà. Le circuit a grillé. Oh, c'est pas vrai. Si j'avais été là pour faire les contrôles, je l'aurais remarqué. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Et bam ! Bien sûr que ça marche. Comme neuf. Nif. Pour rentrer ? Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. J'ai qu'à faire ça maintenant. Le doc a testé un nouveau conducteur pour les prothèses. Tu viens là. Hydrogel polymètre. Résistant, mais avec une forte impédance. Je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes. Ok. Je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation du doc. Bah go. Et c'est parti. Spider-Man, c'est Yuri. Alors Fisk est arrivé à Riker ? Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah ! Il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas. Fisk devrait être content. Vous pourriez passer au commissariat ? J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. À vous, Yuri. Je refuse rien. J'arrive tout de suite. Quoi, policier ? Pro... Bon, on s'en fout un peu, mais... Scénaristique. Maintenant que vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici ? Je leur dis que j'en ai ras-le-bol de voir leur tête. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Besoin d'un cavalier pour le bal ? Vous avez un speeder smoking ? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance de Scorp. Mais ça valait le coup, non ? Ouais, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça ? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Un de vos hommes ? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite ! Et donc, c'est moi que vous appelez. Oh, c'est adorable. Ah, ben c'est ça, les déplacements rapides, je crois. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. J'adore les défis. Si vous cassez, vous payez. Je croyais que vous me faisiez confiance.
Jetons un coup d'œil à ce... Les fréquences d'entrée sont inversées. Subtil. Tout simplement. On vient juste de récupérer une tour. C'était vous ? J'en ai sous le masque, hein ? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours ? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait. Ah oui, c'est parce que ça... Pas la peine, je m'en occupe. Très bien. Ensuite. Vas-y. Couvre-moi. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. Ah, je suis obligé de faire ça. Et c'est terminé. Non, c'est là, toi. Voilà. On est bon. Alors, c'est toi, la balance. Dégage, raclure. Ouais, c'est bien elle. J'ai dit dégage. Moi, elle est bouillave. Mais fiche-moi la paix. Boucle-la un peu. Ne me touche pas. À l'aide. Laissez-la tranquille. Allez, on va lui faire foutre. Son masque. Mais comment... En deux dégage secondes, ça me tue. Où je la bute. Ah merde. On lui parle ou pas, elle ? Ouais. On va bien, madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un endroit où aller ? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville. Et de loin. Ma mère m'en faisait. On n'est pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci, Spider-Mec. Non, mais c'est Spider-Man, mais... Bon. Je devrais pouvoir repérer la prochaine tour de là-haut. Mago. Ah oui, c'est vrai. Je peux faire des gros sauts depuis le sol. Depuis son promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination, la deuxième tour de surveillance. De sac là. Bon, c'est des trucs secondaires qu'on est obligé de faire au début, mais bon. Truc de cours là. Oh, wow. Un de mes vieux sacs à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. Je me demande s'il y en a beaucoup dans la ville. Oh, comment je leur ferais pas du tout. Sachant que j'ai déjà platine le jeu, pas besoin de leur faire de voix. Toujours là ? On a un vol à quelques rues de là. L'inspecteur Spider s'en charge. Ni homme, ni araignée, 100% flic. Ah. Ouvre le coffre ! Allez ! Eh, hey, salut! Ah! Spider-Man! Tue-le! On fait un truc. C'est bon. Fais ça. C'est bon. C'est bon, Yuri. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. D'aujourd'hui, l'inspecteur Spider prend sa retraite. Ah, oh, Dieu merci. J'ai besoin d'un verre. Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Spider! L'infatigable. Yuri ? Ta gueule. Yuri, vous êtes là ? Ah. Elle a dû être submergée par l'émotion du moment. Oh non. J'ai pas envie qu'on voit mes trois poils sur le torse. Je couperai tous les moments où je ferai les petits tours parce que ça me servira plus tard pour...
Ce n'est rien, Peter. Enchaîner vite les missions. Face à mon triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. Vous voulez que je passe au labo pour ranger ? Non, non. Je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause et retour à la création du futur. Et tac. Une nouvelle fois. Je sais plus ce que je viens foutre ici. Le doc est sorti pour la soirée. C'est le moment de passer à mes activités d'araignée. Ah oui, ok. Ouais, du coup, c'est pas très crédible vu que je prends un autre costume, mais bon. Dans le principe scénaristique, j'ai pas de costume de base. Docteur Octavius, qu'est-ce que c'est que ça ? Mon dîner. Si j'avais su que tu étais là, je... Sur quoi tu travailles ? Sur un projet personnel. Alors c'est donc ça. C'est toi. Je vois pas de quoi vous voulez... Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Mais je voulais le faire. Mais j'avais trop peur que ça se sache et que ma famille soit en danger. Oui. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Ouais. Mmh. Oui. T'en fais pas. Ton secret est bien gardé. Eh bien. Un peu naïf le docteur Octavius là, mais au calme. Ça devrait le faire. Ah oui, parce que c'est à ce moment-là où on a le fameux costume du jeu avec la grosse araignée blanche, il me semble. Du coup, c'est pas du tout crédible. Sur le vent ! Bonjour, New York ! C'est le même, mais en mieux ! Bah oui, mais non. Oui, mais non. Ah, petite mission. Je crois savoir comment les hommes de Fisk arrivent à maintenir ses activités, via des chantiers. Ça n'a pas fermé quand on l'a arrêté ? Non, c'était l'une de ses activités officielles, avec différents investisseurs. Et impossible d'agir sans preuve. Mais on a ce qu'il faut maintenant, non ? J'espérais que vous pourriez surveiller ces différents sites et me dire si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Entendu. Je serai votre araignée fouineuse du quartier. Toc. C'est vraiment pas ton jour. Je le vois. Et voilà. L'endroit est condamné, capitaine. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Eh merci. Fisk a d'autres chantiers en ville. Je les ferai pas non plus, je te dis quand même. Ouvrez l'œil et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de suspect. Ouais, t'inquiète. Je ne ferai jamais signe. Mais c'est carré. Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il n'y a qu'une chose à faire. Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Vous avez oublié à quel point ça me plaisait. Voilà. Martin Lee. Tiens. Allô ? Peter, c'est Martin Lee. On sait très bien c'est qui. On avait encore besoin de temps pour préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours Monsieur négatif. Oh, d'accord. Vous savez qu'à me dire quand vous êtes prêt. Négative. Je passerai. Plutôt. Excellent. À bientôt alors. Salut Monsieur Lee. Ah. Salut Peter. Tout est prêt pour la fête. On n'attend plus que toi. Cool. Je me mets en route. Peter, bonne nouvelle. Je crois que j'ai arrondi les angles avec le comité de subvention. Si l'essayage du première classe Excident se passe bien demain, ça devrait aller. C'est fantastique, Doc. Les affaires reprennent. Provisoirement, tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire. Tu seras à l'essayage demain ? Absolument. Ça va être génial. On va changer le monde, Doc. Si on ne déclenche pas le cataclysme, c'est déjà formidable. À demain, Peter. On va marquer les annales. Allez, on est parti alors. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, ce petit Martin Lee ?
Ah non, on est chez moi là. Non, c'est pour le sac, ok. Pour se fringuer. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Mais suivant. Comment ça va? Ah bien, je suis con. Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Ah, pour sa tante. Hé, hey, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très lourdes. Non, pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour... J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter, tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi. C'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Peter. Que se passe-t-il? Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années... Tu m'as aidé dans mes études, tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et... sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, Tante May a toujours dit que sauver une personne... C'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Un message vocal de Yuri. Je devrais l'écouter dehors. Message vocal de Yuri. Hé, hey, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de Fisk. Vous pouvez jeter un œil? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de Fisk? Génial! Peter, je ne t'ai pas vu quitter la fête. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Oh, arrête, tante May. Après avoir perdu mes parents et oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si t'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. Mieux vaut passer par derrière. Here we go. Je commence à perdre patience. Ah voilà. Où est le dossier? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques. Qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'ils me repèrent, ils la tueront. Je dois agir en silence. Yuri, l'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Ils ont l'air si mignons, mis comme ça.
Ah, simplement. Ok. Sois sage, moi. Quelqu'un approche. Où est-elle? Yenjing Zendadian. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que... C'est quoi ça? Ah voilà. Il me semble. Ça appartient à... Bouge pas. Mon pote, si j'avais eu $1 à chaque fois qu'on m'a dit ça... Hé, hey, Peter. MJ? Qu'est-ce que tu fiches ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi? Je t'explique. ...15 minutes plus tôt. Ah, on la contrôlerait pas, non? Si, il me semble. Je peux vous aider? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de fisc. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée. Mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, hey, Craig. Non, désolé, mais... Je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop... Un truc sur la toile expressionniste? Attendez. On devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Merci. Faux cul. Craig? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. D'accord? Je te suis. Tout d'abord, la pièce maîtresse. Un Baku Kakemon unique. Oh, magnifique. C'est un Mifune? Exact. Jeez. Monsieur Fisk a... Juste la photo, d'accord? Mettez-vous là. Hugo, hein? Ah, ok. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez là, je vous prie. Oh, waouh. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien, c'est bon. Craig, je te rappelle. Je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet, et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Je me dépêche. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois... C'est de la douille. Je pourrais tenir un scoop. Que tu commences à régler ça. Wesh. Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Tranquille. Elle a pas l'air con. Elle a pas l'air con. Ça reste au bon moment. Pourquoi la police l'a pas pris? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment? C'est le mieux derrière eux. Sauf qu'il est différent. Changer le... l'emplacement. Il tient quelque chose. Un bâton. La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Peut-être que ces trucs bougent. Yeah. Voilà. Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable.
C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... Excusez-moi, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. J'aime pas ça. Où est la statue? Ici. Et voilà. J'allais rejoindre la sortie quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon, ok, retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Est-ce que... elle a changé de parfum? Oh, c'est pas le moment, Peter. Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. C'est bon, Peter. Je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qu'il contient que ces types veulent à ce point? Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Il la compare à une boîte de Pandore. Il en faut pour effrayer Fisk. On va vous faire sortir d'ici le dossier, toi. Attends-moi. C'était le dernier. Non! Lâche-moi! Angie! Arrêtez! Non. Énervé. Cache-toi! C'est pas bien de prendre des otages, les gars! Pas des fantômes! Tous les fantômes sont des spectres! Ah ouais, ta gueule! Cuisine! Le cardio, c'est fait! Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de Alors se passer. Alors dites-moi, que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça, je ne sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Ouin ouin. Chez Mick? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Depuis quand Mick est devenu italien? Aucune idée, mais je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes, les meilleures de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle? Eh ben... en fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon, tous ces affreux masqués... t'en penses quoi? Rien d'extraordinaire, et toi, à ton avis? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant.
Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis? C'est ce qu'on est pour toi? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? C'est une question piège, pas vrai? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Ah oui, c'est vrai. Bien aimé, tous les deux. Le petit Stanley. Il est partout. Et c'est parti.